Puis j'irai faire le truc. Et après, on verra. Relais de la rivière. Un petit creux. Un bandeau. Il a les yeux fermés, hein, je suis désolé. Voilà, quand tu voyages tout seul, mon garçon, sois le bienvenu dans notre charmant relais. Mais franchement, j'ai envie, je suis désolé, vu comment il est habillé, les yeux fermés, enfin les yeux... Attends, c'est... Attends. Il a deux paires de sourcils ou il... Quoi? Donc soit il a des tout petits yeux, il a deux paires de sourcils... Ah non, d'accord, il a des yeux noirs. Hein, d'accord. Ouais, mais non, mais bon... Je sais pas... Mais les Asiatiques ont des yeux sombres, donc c'est logique. Je parle des yeux, lui il parle des yeux en même temps, quoi. Mais n'importe quoi. Ah, ouais, mais non. On va quand même le dire oui. C'est gentil. Qui s'astiquait la pitance. D'accord. Alors là, ma mère aurait pété un plomb parce qu'il dit que je mastiquais ma pitance. Il dit je, donc s'il mastique la pitance, c'est forcément la sienne du coup à ce moment-là. Quoique, peut-être pas dans ce cas-là. Ça, c'est un cœur. J'ai vu mieux, hein. Il sort un peu de nulle part, lui, non? Pourquoi il a la même tête que l'autre? Oui, bah oui, j'avais compris le verbe mastiquer, manger, oui. Ah oui, j'ai dit il s'astique, non? Oui. Ouais, s'astiquer la pitance, c'est bien aussi. Hein. C'est pas le bide, mais bon, ça marche aussi. Putain, mais sérieux, quoi, mais. C'est quoi cet équipement de fou qu'il a, quoi? Vous remarquerez qu'il il a fait de la muscu aussi, hein, depuis les derniers jeux. Ça me fait chier d'acheter des flèches, mais... T'as en 20... Ouais, ça va faire cher, quand même. Ouais, puis merde. Il aurait pu s'astiquer la bedaine en mastiquant sa pitance, hein, j'en sais rien. Merde. Mais qu'est-ce que je veux d'abord? Je parle mal français si je veux. Alors que je suis le premier à m'énerver quand les gens parlent très mal français, qu'ils se reprennent pas. En fait, je me suis repris après, mais sans m'en rendre compte, en fait. Ça fatigue. Passerelle de fer. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Eh, mais je peux monter là. Directement, hein. Ah bah on peut pas le déplacer autre part, si? Il y a tout un chemin... Enfin, c'est bizarre. Bon, c'est rien, c'est juste un effet visuel, y a rien de...
Les livres. Oui alors. Le jeu qui fait tout du. Oui alors. Parce que là c'est trop, c'est ça. Ah. On a peut-être pas dû faire ça. Ah, peut-être dû le mettre plus loin, non? Bon, on verra bien. Hein. Ah, tombé dessus. Eh oui. Comment faire? Est-ce que je peux le mettre droit et juste le coller contre le mur? Ça marche pas? Non, mais c'est pas ça que je veux faire. Ah, ah, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Ah, je peux pas faire de rotation en fait. Un autre truc à faire avant peut-être? Non? Ah, attendez. Enfin, puis attendez, mais peut-être d'abord monter. Voilà. Alors juste le mettre au-dessus et faire un... On sera assez haut? Genre faire ça? Ah bah ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Non. Ah mais ça pue ça. Comment faire? Mais je recule plus peut-être. Ça passerait pas non plus. Bah si. Il faut que je recule les... faut que je recule juste ça quoi. Et hop. Voilà. Comme ça je peux le mettre. Hop. Monte-le là-haut. Tiens. Genre ça c'est assez. Genre. Mais pourquoi il s'accroche pas? Genre il devrait s'accrocher, on est d'accord quand même. Il devrait juste agripper le truc, c'est pas cohérent. Et regardez ça quoi. Ou alors... Je sais pas si ça va être une bonne idée, mais...
je voulais faire, c'était me mettre en déséquilibre, mais... Est-ce que je peux me porter, en fait? Je viens de penser. Non, je peux pas me porter. Oh. Je sais pas, en fait, c'était... Ouais. Enfin, je sais pas, je pourrais... Normalement, je devrais pouvoir, mais... Y'a pas moyen de mettre du déséquilibre, faire monter le truc... Je peux utiliser le coffre pour mettre du poids? Non, apparemment, non. Donc, soit il manque un truc, soit j'ai pas compris. J'ai bien une autre idée, mais bon, ça pue un peu, non? Encore essayer une fois comme ça. Oh, ça devrait tellement la gripper, quoi. Je vois ce que ça fait. Rien du tout. Comment ça fonctionne, du coup? Comment j'atteins là-haut, hein? Comment j'arrive là-haut, en fait? Alors... Faut clairement aller chercher ça. Mais après... Ou alors, faudrait les mettre en... Mais comment je pourrais faire ça, en fait? C'est juste pas possible. Comment je peux faire? Ah, d'accord. Pas d'autres trucs, non, ça c'est trop loin. Ça, on s'en fout. Ouf, c'est l'ascenseur, je me dis que c'est oui. Je suis sûrement en train de rendre des gens fous, mais c'est pas grave. Enfin, le peu de personnes qui sont sur mon stream, fou en tout cas. Ah, d'accord. Mais pourquoi on peut faire des rotations, mais en fait, je comprends pas comment le système de rotation fonctionne, en fait. Et là, ça fait une rotation, mais pourquoi? Après, je peux pas faire de rotation, on est d'accord, hein. Ça, c'est pour approcher, éloigner... Bon, fallait juste le mettre plus loin et faire en sorte de... Ouais, ça a l'air d'être sain dans l'absolu. Même ça reste pas, c'est chiant. Bah, oui, ça tient pas. Pourquoi ça tient pas? C'est embêtant. Et je peux pas utiliser deux pouvoirs d'affilée quand même, enfin... Je pourrais. Non mais ça par contre c'est du gros foutage de gueule. Alors... Là, je vous avoue que je ne comprends pas. C'est la logique voudrait que ça serve de pont. Je suppose. Le problème, c'est que ça tient pas. Tu juste fous de ma gueule.
Je l'ai fait deux fois quand même, hein. Je l'ai même fait une fois tout doucement. Et le truc, il avait... D'accord. Et là, j'y vais comme un bourrin. Oh, ça tient pas, de toute façon. Et d'accord. C'est le fameux, t'y arrives pas doucement, ça marche pas, tu l'envoies valser et ça se met tout seul. D'accord. Moi aussi, je t'emmerde. Ce que je trouve bizarre quand même, c'est que ça fait partie d'une zone déjà activée, du coup. Ou là, ça, où ça a rien à voir avec des tours. C'est bizarre. Enfin bref. On y réfléchira plus tard. Bon, je devrais aller par là. Mais vu que je suis un grand garçon qui aime bien faire un peu n'importe quoi, on va aller par là d'abord. Mais... Petit AFK, j'en ai. Je suis là, ce fut rapide. Même eu le temps de me laver les mains. Allez. Ah oui, j'ai acheté plein de flèches pour aller tuer un gros monsieur. Je sais même pas si j'aurai assez de flèches en fait. Pourquoi il me dit que j'en ai 7? Ou j'en ai déjà rendu 7? Bizarre. Par contre, je trouve les temps de chargement vachement longs quand même. Hein. Là, c'est pas là que j'aurais dû TP en fait. En fait, je voulais vérifier d'autres trucs en fait, mais. Absolue. Moi aussi. Ah, non, mais ça, je peux pas. Enfin, je sais pas que je peux pas, c'est que je veux pas. Ça passe ça? Ah ouais, ça passe. Attends, je pourrais me téléporter après, par après, de toute façon. En fait, là, il y en a partout, mais c'est dans une zone dans laquelle je vois pas encore aller. J'ai pas spécialement envie d'y aller maintenant. Ouais. Mais ça casse-toi, fuis. Le dernier qui a essayé de me rentrer dans le cul, il est mort. Alors, hein, fais gaffe. Ah, mais il y a de la caillasse là. Ouf. Soit c'était tout juste, soit j'ai de la chance, mais... Bon. Du coup, je suis entré dans la zone dans laquelle je voulais pas rentrer, mais c'est pas grave. Oui, je sais qu'il y en a qui sont tout prêts, mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Chaque chose en son temps. Calme-toi, le jeu. Ah, une hyperouille. Une hyperouille. Ah,
Après, c'est rarement worth it des plaines. Hein. Enfin, j'ai pas vu grand chose la dernière fois que je suis venu dans une dans des plaines. À part ouais, des messieurs qui. Sérieux, quoi. D'accord. Donc c'est le cheval qui m'a défoncé la gueule. Il y a l'idée. Et j'ai perdu ma fée du coup. Moi j'ai pris, j'ai récupéré de la venaison gratos. Bon. Bonjour monsieur. Bourrico, chéri, golo. C'est pas le bourrico. Juste bourrico, je dirais. Pardon, je sais pas pourquoi je parte. Comment tu voulais pas savoir comment on prépare un ramen? Dis, c'est le pactage de mon boucto qui te, que tu veux. Bon. On va voir ce qu'il y a par là et s'il n'y a rien d'intéressant. Il y a un chemin. Ah oui, bah c'est le chemin du village. Oui. Du coup, on va aller là. Et après, on va s'occuper du gros monsieur. Enfin, on va s'occuper du gros monsieur et ensuite... Nous allons aller... mince, où est-ce que c'est bah, on va aller à côté, on va aller au... à la prochaine ville. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais on va y aller. Et ça, c'est bien. Les temps de chargement incroyables. Enfin, c'est plus rapide que de se balader, quand même. Ceci dit. Ah ouais, est-ce qu'il est là? Bonne question. À mon avis, on va utiliser une bonne arme quand même pour le tuer. Alors. Glaive de gardien. Ouais, on n'a pas besoin d'utiliser une épée à une main contre lui en fait. L'épée à deux mains fera de le bon taf. Ah, il y a le. Est-ce qu'il est là en fait? C'est ça la question. Oui, il est là. Mais il bouge plus. C'est parce qu'il n'y a plus l'œil. Oh, faut attendre la nuit. Ah mais merde, je suis passé à côté, j'ai fait ah, y a rien qui s'est passé. Dommage. Faut attendre la nuit pour que ça s'active ce truc. Ah, il est que 2 heures, tu vas me dire. Il n'y a pas de feu à proximité pour attendre. En fait, on est obligé d'utiliser un feu pour attendre. Ah mais il y en a un là-bas. Oh, moi oui, il y en a un là-bas. Non, je veux pas ramasser. Non, je veux pas brûler non plus. Calmez-vous. Non, je veux pas ramasser. M'emmerder. Je veux juste passer la nuit. Ah, c'est pour ça qu'il s'est enfui, qu'il a creusé du coup. C'est parce qu'il c'était plus la nuit, c'est ça? À la nuit, ça va être 21h, d'accord. Oh, oui. Dit comme ça. Oh, c'est le fait que je sois en mode discrétion. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peu louche, non? Ou rien à voir? Ah, non, c'est juste... non, c'est juste le vent, d'accord. Stalinox.
Putain, mais... Ah merde, il a esquivé le salaud. Petit bâtard. Ah, c'est tout. Ouais, j'ai plus que la grosse bouffe en fait. Wow, il y a beaucoup de trucs dans Dandinox. Ok. Une jolie épée. Hallebarde de chevalier. Grand boomerang. Et d'accord. Attendez. Il me semble qu'on a reçu beaucoup de trucs pour pas avoir fait grand chose en fait. C'est ça qui me trouve je crois, un peu bizarre. Là, c'est quoi? Épée électrique, cette magnifique, cette épée magique qui aurait été forgée par les éclairs des collines d'Hyrule paralyse ses ennemis dans sa... Ah ouais. On a un truc, on a eu du loot quoi. Et du coup j'ai de quoi? La hache? Bah pour du bois c'est bien quand même. J'ai deux marteaux mais ça pourrait servir. Ouais, il y a tout qui est bien. C'est compliqué. Hein. Voilà, on va acheter la hache, tant pis. Hein. On en trouvera bien une. Bon bah c'était plutôt worth it au final hein. Mine de rien. C'est comme ça, ça avait pas l'air mais si.
Bonjour Itoms, comment vas-tu? Bienvenue sur le stream, bonsoir. Voilà. Comment vas-tu? Je vole. Oh, j'ai toujours mal aux pieds, c'est horrible. Ne jamais, plus jamais. En fait, j'ai rien fait, c'est ça le truc. Des douleurs qui viennent comme ça de temps en temps. Okay, coucou. Tiens, coucou, une douleur. C'est un peu ça l'idée. Enfin, je vais bien, je vais bien. Bon, en dehors du pied, mais autrement, je vais bien. On est bien ici. Ça, j'ai ça. J'avais pas vu que ça s'appelait comme ça. Presque romantique. Il vient de dire ce soir. Quoi, il va y avoir une lune rouge, ça pue. Et là, j'aurais pas sortir. Peut-être prendre un cheval. Ou un cheval. Ah, il fallait calmer. Il fallait spammer le bouton L pour calmer. Oh. Bon, on va prendre un plus calme. Ah d'accord. Je suis au début, j'ai commencé hier, j'ai 6-7 heures de jeu. Ouais, 7 heures de jeu on va dire. Ah d'accord, l'affichage est débugué apparemment, pour le rechargement, d'accord. T'as 250 heures de jeu, t'as toujours pas à 100%, oh la vache. Y'a un cheval là ou je rêve? Eh ben tu aimes la pluie? Quoi c'est doux? On va lui parler quand il pleut. Ah ben on va attendre. Voilà. Ah oh, je m'en fous, j'attends. Ça risque d'être loin apparemment. Hein. Ah oui, 5 minutes, c'est littéralement 5 à 10 secondes quoi. C'est... Ça a l'air d'être temps, hein. Ouais, c'est ça, hein. C'est une minute, c'est une seconde, apparemment. Mais à 6h du matin, il va faire ensoleiller, non? Dommage. J'attends, hein, je l'empêche de passer, tout ce qu'elle veut. Ouais, un cheval équipé, là, une selle et tout, oh là là. Ah, c'est pas que j'aime la pluie, j'aimerais bien discuter d'autre chose que la pluie, le beau temps.
Ouais, après, il va faire en série, il dit, t'aimes bien le beau temps? Ah, ils aident long, apparemment. Ah, ils aident très long. Oh, il y a une petite maisonnette à côté, on pourrait aller tous les deux. Non, apparemment, non. tout ce qui intéresse, c'est la pluie. Ah, ça veut pas s'arrêter, hein. Le vent se lève, apparemment. C'est quoi, c'est 8 h, c'est ça? C'est quoi le délire? Marche arrière. Bip, 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 bip. Attention. Regardez, mon cheval peut tourner sur lui-même. Wow. Fait un tour sur lui-même, regardez. Oh là là, attention. Dans l'autre sens, incroyable. Il pleut toujours. Comme dans de la chanson de la pluie ou je sais pas quoi, la merde. Non, c'est la chanson de la tempête, la musique de la tempête, je ne sais plus. Oui, oui. Et là, à 8 h du matin, paf, il pleut plus. Et le pire, c'est que c'est ça en plus. Et il continue à pleuvoir, non? Quoi, le vent s'est levé? Dans le monde où vivons, c'est important de savoir apprécier les choses simples. Et le monde en fait, et la mode en fait partie. En gros, si je suis pas bien habillé, elle m'emmerde, quoi. Ah, c'est un peu ça, hein. Ah, bonjour, monsieur. Ouah. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur! Calmez-vous. Je suis aux fesses. Ah, à l'aide! Oh, faut salir. D'accord. Je te paye pour un monstre. Même un jeune comme moi, n'est pas l'abri de la petite féroce, bande de barbares. Ah, d'accord. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Arrête de monter! Ouvre la porte. Merci. Ouvre la porte! J'ai ouvert la porte. Oui. Calme-toi, Klink. Perce les yeux illuminés par la nuit de la statue maléfique. Revoit la voix de l'épreuve Socrate. Ah! C'est quoi? Donc perce les yeux illuminés par la nuit de la statue maléfique. Devant toi s'ouvrira la voie de l'épreuve secrète. Donc faudra tirer dans les yeux d'une statue pendant la nuit, c'est ça? Et tu poses. Ah, je peux dormir? Ou je sais pas, jusqu'à midi. Une petite sieste comme ça. Et c'est vrai que le vieux il m'a tout volé. Ouais, mais c'était ma maison. Dit comme ça. Et attention, à plus de cheval. Où qu'il est le cheval? À plus de cheval. N'a plus de cheval. Bon, on va continuer à pied, hein, tant pis. Ah si, il est là. Oh, il est là. Oh. Hop là. Bon, où est-ce que je vais aller? Loin. Qui c'est ça? Bah, c'est pas ça qu'on avait rencontré juste avant, ça? Non, c'est belle. Je veux ils en ont crié. Hein? Et aussi la vie du héros. Allez, d'accord. Encore eux.
Combat chiant, hein. Ah, t'es beaucoup plus faible que celui que j'ai tué tout à l'heure. Ah, le mec avec son bruit et le bricot. De toute façon, elle est bientôt capote, je peux l'acheter, non? Je sais pas. Les serpes sont moins bien, mais... Eh bien, Yuji! Ah, qu'est-ce que je fais le cheval? Oula. C'est pas ça que je voulais faire, non plus. J'espère que mon cheval ne va pas trop bouger. Je voudrais aller vérifier ce qu'il y a par là. En tout cas, vraiment, il y a un sanctuaire. Ah non, c'est la tour. Il se bat avec un balai, quoi. S'il vous plaît. À la limite, il y a la serpe à la limite, quoi, mais... je me soignerai pas un petit peu, quand même. Mais juste un peu, en fait. Bon, bah, on va y aller à la coup de pomme, hein. Ah, il s'est fait défoncer, quoi. Meublin. Autant aller à la tour directement. Bon, j'aurais peut-être dû prendre le cheval avec, mais bon. J'avais des doutes sur le fait que le cheval veuille bien traverser tranquillement le... Ah, le Meublin. Il y a des fleurs, enfin, des plantes. Ah non, qu'on peut pas ramasser, bien sûr. Ah, mais il y a d'autres chevaux ici. Ah ah. On pourra en reprendre sur le chemin. Ouais, mais avec tous les moblins qui se promènent autour de la tour, à mon avis, mon cheval, il serait barré depuis longtemps. Celui-là est armé en plus. Essaye de me donner un coup de pied, le petit bâtard. Salaud. En fait, ce qui est dingue, c'est que j'ai ramassé plein de trucs. Mais je vends rien en fait. Je vends absolument rien, quoi. Je sais pas, je me dis ça va servir à quelque chose, je vais peut-être pouvoir faire des crafts, j'en sais rien. J'ai pas, hein, une idée comme ça.
Ouh là là, pourquoi il y a des ronces partout ici? Ouh. Bon, les viscères, ça on sait à quoi ça sert. Pour faire des remèdes, il faut... Vas-y, va encore, il faut... Enfin oui, des fruits ou des légumes qui... Oh, ça me rappelle quelque chose en... Ah mince. Dans les schtroumpfs, dans le jeu les schtroumpfs. J'ai assez d'endurance pour monter cette tour. Ça paraît chaud quand même, non? Mais moi, si c'est de la nourriture enduro ou si de la... Ah si, ça va pas, ça devrait passer. Mais il faut la barre en plus, clairement. Normalement, ça passe pas sans la barre en plus. Salut, Jim Sasuke. Comment vas-tu? Ouais, sans la barre en plus, ça passait pas. Hein. Ah, mais je peux pas passer par là. Je passe par où en fait? Oh là là, par où je dois passer? Ah, si, je vois. Bon, ça part un peu juste, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est là, on se repose. On va à droite, on se repose. Et puis on monte et on devrait arriver. Ta-da! Merci pour le follow. Jim Sasuke, bienvenue dans l'Explodatorium. Allez. Ouais, ça devrait le faire. Hein. Peut-être même faire un petit saut vers la fin. On va pas le faire. C'est là que... Ah, on tombe et tu tombes tout en bas. Ah, bah plus de leak. Ah, là, il est bien mort quand même, hein. Tout ça pour ça. Ça pour voir la carte de la zone. Coordonnées GPS acquises. Satellite activé. On a tout pété. Ah, c'est GPT là, c'est guidage par tour plutôt, mais... Poups. Poups. C'est difficile à dire, à faire le bruit d'une goutte quand même. Poups. Je sais pas. En fait, on est en train de faire un gros tout droit en fait. Ah d'accord. Ah oui, c'est... C'est grand là quand même. Hein. C'est... Quand même.